Bonjour les amis de Mécanicus. Alors nous sommes en direct du salon Taxi Expo. Nous avons pris la fameuse brochure du salon qui est juste là. Et en fait il y a plusieurs partenaires. Il y a des agences de financement, en fait, des sociétés de crédit. Et pas mal de concessionnaires aussi, d'importateurs, etc. Donc je vous invite à faire un peu la visite guidée du salon. Suivez-moi. Juste à ma gauche, il y a le stand Volkswagen. Alors vous avez les différents modèles. Enfin, le modèle phare, c'est bien sûr le Caddy Maxi, comme vous pouvez le voir. Vous pouvez même faire une petite visite à l'intérieur. Voilà, le tableau de bord est super sympa. C'est un véhicule très confortable et très plébiscité. Alors, on a droit à de vraies 7 places. Les places que vous voyez en fait ici sont les deux places supplémentaires, en plus des 5 qui existent. Le coffre est excellent, super grand, impeccable pour les valises. L'accès à l'arrière aux deux places supplémentaires, on peut se rapprocher. L'accès à l'arrière aux deux places supplémentaires est très facile grâce à ce siège escamotable. Donc on a vraiment droit à 7 places. Je suis la visite. On passe au stand Autonjma qui se trouve juste là. Et vous découvrez avec moi le fameux Citan de Mercedes. Super véhicule, nous l'avons déjà testé, nous avons déjà passé le test drive sur Mécanicus. Ce véhicule est superbe, très ergonomique, très puissant, très robuste, très stable. Vous pouvez voir le tableau de bord à l'intérieur. Super ergonomique. Alors c'est un peu le chouchou des taxi drivers, ils adorent. Derrière, 7 places aussi, avec le siège rabattable, juste ici, je le pointe du doigt. Les deux places supplémentaires à l'arrière, rien n'y manque, ce véhicule est juste parfait. Vous diriez qu'il a été créé justement pour être un taxi. Et bien sûr, le clou c'est bien sûr le Vito, le grand Vito. Venez avec moi un peu pour observer cette jolie calandre. Alors, ce véhicule est parfait pour les navettes touristiques. On va visiter. Vous pouvez apercevoir l'intérieur. Un vrai vaisseau spatial. Le volume du coffre est juste étonnant, c'est une tuerie. Les places à l'arrière sont accessibles via cette porte coulissante. Ce qui est bien, ça a été étudié, en fait, la porte se trouve à la droite du véhicule, tout simplement pour éviter de sortir en pleine chaussée, en pleine route. Alors, oui, salut Khalid, coucou de la part de Mécanicus. Alors, ici on passe sur le stand Nissan. Et on a droit au fameux Evalia, le NV200.
véhicule impeccable, très accessible. Merci Khalid, courage à toi aussi. Alors, je vous laisse constater par vous-même. Alors, moi je vous le dis, moi qui suis là, en fait, la finition est juste impeccable. Les plastiques sont de très bonne facture, la qualité perçue est au top. Je suis agréablement surpris. Alors, admirez l'espace à bord. Super, jamais garniture en fait sur les portes. Tout respire la qualité. On est bien dans une japonaise. Alors sur le stand Nissan, on n'expose pas que les grands taxis, que l'offre grand taxi. On a droit aussi au fameux Nissan Note, en petit taxi, en version petit taxi. Alors, équipé du fameux moteur DCI, qui est juste super ergonomique, super simple, super économique. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur le stand Nissan? Qu'est-ce que vous exposez? Alors, je me filme en direct, comme ça. Bonjour, avec vos douanes commerciales Taxi Nissan. Ben, pour les taxis, il y a le petit taxi, il y a la Note. Et pour le grand taxi, il y a les Valiant. Le MV200. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous dire sur ces deux modèles? Ben, ils sont beaucoup bien par rapport à la consommation, par rapport au moteur, par rapport au... Voilà, au châssis. Par exemple, par rapport au Evadia, c'est un châssis qui est renforcé par des lames. Oui. C'est trop fort, c'est un modèle trop fort. Justement, pour supporter plus de poids. Voilà, même par rapport à son prix, il est bien. Voilà. D'accord. Supporter le poids, et même... c'est la durabilité. C'est pas question... Cette voiture-là, normalement, elle est garantie 3 ans. D'accord. Sur le moteur. Mais par rapport à... son châssis, son radar et même la carrosserie, parce que c'est une carrosserie Japon. D'accord. Pour les durer jusqu'à 10 ans, dans le fond. Excellent. Est-ce que vous pouvez nous dire sur la Note? La Note écologique. D'accord. Vous voyez, c'est du luxe. Oui, je vois ça. Un petit taxi. Ce modèle-là, il est vendu au particulier à 158 000 dirhams. Mm-hmm. Par rapport au taxi, on le laisse à 144 000. 144 000. Là, il y a la clim, d'accord. Il y a l'assisté, les airbags, l'émetteur régulateur de vitesse, le Bluetooth, tout ce qui est bien et tout ce qui est pour garantir par rapport aux clients de taxi un bon voyage ou un bon... Alors, on a un fan qui nous demande si la sécurité est l'un des points forts du salon. Qu'est-ce que vous pouvez en dire? En tout cas pour Nissan. La sécurité en taxi. Ah, la Nissan est connue par sa sécurité déjà. D'accord. Pour garantir la sécurité du chauffeur et même de ses clients. Mm-hmm. D'accord. Voilà. Par rapport même à l'écologie, c'est un moteur écologique qui ne donne pas trop de pollution, qui ne sort pas beaucoup D'émissions de carbone. Voilà. C'est un modèle écologique. D'accord. Merci infiniment. Merci. Bon, j'espère que tu as eu une réponse à ta question, Hetman. Et on vous dit, si vous voulez changer le taxi, petit taxi, c'est la Note, et le grand taxi, c'est les Valiant. Les Valiant. Merci. Et bienvenue chez vous. Merci infiniment. Merci beaucoup. On poursuit notre visite. On va revenir sur le stand d'Otonjma, qui est le distributeur de Sangyang. Le Stavic fait partie des véhicules phares, très plébiscité aussi par les taxis drivers. Alors,
Alors, en réponse à Mohamed Ben Kiran, non. En fait, le taxi driver a tendance plus à se soucier du prix des véhicules. Donc, oui, la sécurité est un peu occultée. Heureusement que chez les concessionnaires et les grandes marques, la sécurité est de mise. Il faut qu'ils répondent à des normes, bien sûr, pour être homologués aussi bien au Maroc ou en Europe. Ce sont des véhicules qui existent aussi en Europe. Donc, oui, j'espère que les consciences vont bouger et que des choses vont être faites au niveau des corporations de chauffeurs de taxi. Voilà, merci. Alors, pour revenir au Stavik, qui est un des véhicules phares. Alors ici, nous avons le Stavik 2 litres. XDI, 7 places, 133 000 dirhams. Une offre étonnante de la part de Autonjma, qui cherche à gagner absolument des parts de marché. Et elle le fait très très bien. Ce véhicule est juste extraordinaire. Alors, petit zoom sur le moteur quand même. C'est un beau 2 litres qu'on a ici, donc il satisfait très bien, il a tout ce qu'il faut en fait en termes de puissance et d'ergonomie, de reprise, etc. On va visiter l'intérieur. Voilà. Alors, moi je dis, il n'y a rien à dire sur le, en termes de qualité perçue. Même les tissus des sièges sont de très bonne facture. On va essayer de choper quand même quelqu'un du stand d'Autonjma. Pardon, excusez-moi. Est-ce que quelqu'un peut s'exprimer sur les produits, s'il vous plaît? Quelqu'un d'Autonjma? Oui. D'accord. Alors en fait, nous passons en direct avec non, nos fans. Non, d'accord. Très bien. Je peux vous parler à propos de... Juste à propos de la voiture, c'est tout ce qu'on veut. Juste en termes techniques. Je pense que c'est de parler de la voiture. D'accord. Il y a des clubs qui vont ça marche. Là, je reviens avec le D'accord. Excusez-moi. Il n'y a pas de problème. Merci. Et là, nous avons les sociétés de financement qui sont tous omniprésentes. Vivalis est là aussi. Nous avons aussi les distributeurs de carburant. Shell est là. Il y a une tombola sur une Hyundai. On va aller un peu plus loin. On va retrouver le stand de Dacia. C'est Mohamed. En attendant, en passage, nous avons le stand de Wafa Salaf. Le stand de Wingso. Mais ce qui est étonnant, c'est que ce véhicule, il s'agit d'une Dacia Logi, et le véhicule exposé hors accessoire coûte 36 600 dirhams. Hors taxe, bien sûr. 36 600 dirhams. Avis au taxi driver, alors vous n'avez plus aucun prétexte pour ne pas changer de voiture et ne pas renouveler votre parc. Et voilà, on se sent bien quand même dans une Dacia, je ne sais pas, il y a une odeur caractéristique sur ce véhicule. Il y a quelque chose, une espèce d'aura très particulière. En tout cas, j'adore.
Voilà, on continue la visite alors. Alors les fameuses Logan et Sandero sont exposées pour les petits taxis. Bonjour, ça va ? On va revenir au stade Otonjma parce que Zil vient de me dire qu'il y a une personne en fait qui voudrait bien nous parler. On va aller voir ce qu'elle a à nous dire. Désolé les amis, je vous tourne le dos. D'accord, ok. D'accord. Ok, pas de problème. Oui. Alors Younes, oui, tu as le droit de gueuler un peu, je te comprends. Mais il faut dire aussi que c'est le seul moyen en fait de renouveler le taxi qui est tous ces anciens taxis en fait qui sont désuets, qui sont dans un état lamentable. Moi il m'est arrivé plusieurs fois de monter dans des taxis où les portières ne se fermaient pas. Tu sens l'odeur du mazout à l'intérieur, le plancher est pourri, il y a des trous, tu arrives à observer en fait le bitume juste en dessous de tes pieds et ça fait mal. Du coup, ce qui se passe aujourd'hui, les efforts que consent l'État à faire pour que les taxi drivers changent leur véhicule, moi je trouve que c'est une bonne chose. Il faut s'y tenir et je t'invite Younes quand même à voir les choses du bon côté quand même. Il y a des choses qui se font, il faut les encourager, il faut faire en sorte que ces choses se fassent très rapidement et se fassent bien. Merci Younes. Alors, fausse alerte pour la personne de Otonjma. Elle nous avait donné rendez-vous ici, on est venu. Elle a eu un contretemps, donc on reviendra peut-être plus tard pour prendre ses paroles. En attendant, on va aller sur le stand de Sopriam. Sopriam qui est le distributeur des véhicules et des marques Peugeot et Citroën. Ils ont aussi des offres super intéressantes sur leur stand. On va aller voir tout ça. Un peu de musique. Le Berlingo. Wow, génial. J'adore ce tableau de bord. Extrêmement soigné. Mercedes ont toujours eu
une cosmétique un peu avant-gardiste. Ça se poursuit à travers ces véhicules. Pas Mercedes, pardon. Citroën. Oula, c'est la chaleur. Oula. Bravo pour Citroën. C'est juste impeccable. Juste impeccable. Je sens que les taxi drivers, que les chauffeurs de taxi vont se faire plaisir à bord du véhicule. Alors, plusieurs endroits en fait, l'ergonomie est au max. Il y a plusieurs endroits où on peut mettre notre portable, des endroits pour mettre notre verre quand on prend la route, notre thermos de café. Merci à toi Younes, je viens de voir ton commentaire. Alors, derrière, c'est pas la place qui manque, comme vous pouvez le voir. Donc, ce qui est de l'offre petit taxi, vous ne pouvez pas le rater, il est en rouge, il est pas en rouge. Nous avons droit à la C Élysée. Je rappelle que la C Élysée est un véhicule qui fait fureur en termes de petits taxis en Chine. Alors pourquoi pas au Maroc? Le véhicule est juste extra, super confortable. Pour avoir effectué plusieurs test drives à bord de ce véhicule, je peux vous dire que c'est un bonheur de le conduire tous les jours. Alors, vous vous posez certainement la question, quel est son prix? La Glademskin, 112 000 dirhams. Un autre véhicule super ergonomique aussi, c'est bien le C3, qui est exposé aussi sur le stand de Sopriam. Sopriam, qui, je le rappelle, est le distributeur de Citroën et de Peugeot. La C3 se négocie à 131 000 dirhams 900 pour l'offre petit taxi, bien sûr. Admirez-moi ce joli tableau de bord avec les nacrures en blanc. C'est juste un régal. Vous m'emmenez où, chauffeur? Et là, on passe chez toi. On peut observer le fameux multijet. Je vous mets sur le moteur un peu. Le fameux multijet de chez Fiat, un moteur qui a fait beaucoup de fans. Anissa, salut. Oui, je te conseille quand tu veux pour ta future voiture. Le moteur que vous avez observé, le multijet, dont je vous parlais tout à l'heure, c'est celui qui se trouve sous le capot du Doblo Maxi. Alors, le véhicule que vous voyez, c'est le Doblo Maxi, le fameux Doblo Maxi, qui est un véhicule juste extraordinairement fonctionnel, comme Fiat sait très bien les faire. Il est extraordinairement spacieux aussi. Oui, ici Mohamed, on passe bientôt chez Peugeot, ne t'inquiète pas, on fait juste le tour. C'est le roadshow qui veut ça, malheureusement. Et voilà. Donc, véhicule très complet qui certainement va plaire à de plus en plus de taxi drivers.
Déjà, il plaît beaucoup. Et en termes de petit taxi, nous avons la Punto. Extraordinairement économique. Les gens qui ont des Punto vous le diront. Super véhicule, super sobre, super économique, super complet aussi. En termes d'esthétique, nous avons affaire à une italienne. Donc il y a ce qu'il faut, c'est joli, c'est urbain. C'est parfait pour une petite citadine polyvalente qui se faufile très bien dans les artères bouchonnées de Casa. On imagine un peu le plaisir que ça doit être pour un chauffeur de taxi d'avoir un véhicule qui répond au quart de tour, qui est juste économique et qui se faufile bien dans les bouchons. Mohamed, on est enfin devant le stand Peugeot. Tata ! Voilà. Alors, voyons ce que Peugeot nous concocte. Elle nous concocte une offre à 50 dirhams par jour. Voilà, qui va faire plaisir à beaucoup de gens du taxi. La 208 est un superbe véhicule. Admirez-moi ce volant. Ce tableau de bord qui tombe juste bien en fait dans l'axe de notre vue. C'est juste superbe. L'accès à la radio, l'accès à la clim, tout est impeccablement agencé. Faciliter au maximum l'utilisation de l'outil. Et la cure sur les portes. En option, c'est juste sublime. Je rêve que ce véhicule est à 50 dirhams par jour. Enfin, tous les véhicules qui sont exposés sont à 50 dirhams. Alors, ici, le partenaire Grand Taxi. Équipé du CD MP3. Allô, Pauloud. Oui, c'est fait. J'ai visité, j'ai cherché Sonia. Je sais pas où elle est passée, elle revient. Et on a parlé de Dacia, c'est juste génial ce que vous faites sur votre stand. Alors, retour au partenaire Grand Taxi, équipé de l'option CD MP3. Avec la possibilité de rabattre les sièges en mode 2-2-3. Ce qui offre un maximum d'espace à bord. Le véhicule est très complet. La robustesse de Peugeot n'est pas approuvée. Ce sont des bonnes voitures, des voitures très robustes, solides. Et juste à côté, une autre offre petit taxi, c'est la Peugeot 301, à 50 dirhams par jour aussi. Alors, elle est équipée de l'ouverture du coffre à distance, du CD MP3 et de l'ABS. Petite visite à l'intérieur.
Voilà. Alors, nous avons fait le tour du salon Taxi Expo. Il reste encore demain. Ce sera la dernière journée, la journée de clôture. N'hésitez pas à venir nombreux parce que c'est super intéressant. Je m'adresse aux taxi drivers, mais aussi aux autres personnes qui sont curieuses de voir un peu comment va évoluer le parc des taxis au Maroc. C'est une tuerie, c'est une très belle initiative. Soyez présents en masse, vous ne risquez pas de regretter. Je vous dis à très bientôt mes amis, je vous adore. À bientôt.